Salut tout le monde, c'est Nasactu, premier sur les actus. Et là, on va regarder une story de Océane qui dit qu'elle parle plus à sa sœur, voilà, par rapport aux embrouilles sur le plateau, tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. Les amis, je vais profiter ce matin du temps libre que j'ai pour moi, pour voilà, discuter un petit peu de ce qui se passe. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander en message privé pourquoi est-ce que je ne me prononce pas concernant la diffusion des Marseillais, concernant l'histoire avec ma sœur. Donc voilà, je me dois de vous donner des réponses à toutes ces questions. Vous êtes quand même très fidèle et bienveillant envers moi, donc c'est le minimum que je puisse faire. Éclaircir un petit peu sur cette relation que j'ai avec Marine. C'est vrai que j'ai jamais voulu en parler parce que je déteste laver mon linge sale en public, surtout quand ça concerne la famille. Mais voilà, nous sommes des personnes publiques, donc voilà, je me dois de rien vous cacher. Déjà, sachez que dans les Marseillais, vous ne voyez vraiment que 10% de notre vie à moi et Marine. Voilà, nous sommes les sœurs jumelles, nous sommes très très fusionnelles. Depuis toute petite, on est toujours collées. Voilà, donc on n'a jamais vraiment appris d'autres personnes, puisque on a toujours été comme ça, elle et moi. Et un simple regard ou un signe ou juste un mot, voilà, suffit pour se comprendre mutuellement. Donc voilà, par rapport à tout ça, c'est vrai que l'aventure des Marseillais pour ma sœur a été un peu plus compliquée que moi, puisque c'est vrai que moi je connaissais déjà tous les Marseillais. Marine, elle arrivait ici en tant que nouvelle. Donc c'était pas évident pour elle, puisque moi j'avais vraiment besoin de m'intégrer, de m'ouvrir davantage à ma famille et aux personnes qui étaient là pour moi. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'était une aventure qui m'a permis de me libérer, de me retrouver un petit peu. Et concernant ma sœur, voilà, c'est vrai que Marine, je l'aimerais toute ma vie, c'est ma sœur jumelle, ça je peux pas le nier. Je peux avouer depuis comment dire, la fin des Marseillais, Marine et moi, on ne se parle plus, voilà, on ne se voit plus. Elle est partie avec Laura un petit peu en vacances pour trouver elle aussi son côté, puisque voilà, quand on vit H24 ensemble et que du jour au lendemain, on ne s'adresse plus la parole, mais qu'on vit dans la même pièce, c'est très dur. Donc c'est pour ça que Marine a pris cette décision de partir un petit peu en vacances avec Laura. Et je ne lui en veux pas d'ailleurs pour tous ceux qui pensent qu'elle essaie de me remplacer par Laura. C'est pas ça, c'est que Marine a toujours besoin d'être avec quelqu'un, puisqu'on a toujours été comme ça. Donc c'est normal, c'est comme ça. Maintenant, heureusement que Laura était là pour elle, puisque c'est vrai que Marine avait besoin de réconfort à la fin de ce tournage. Donc voilà, c'est vrai que je regrette les erreurs que j'ai pu faire durant mon passé. Pas oublier que Marine et moi, on se reproche énormément de choses, ça va plus loin que ça. Et je pense qu'on aura une discussion bientôt, puisqu'elle est rentrée là, elle est rentrée à la maison il y a 2 jours. Donc hier, je ne suis pas rentrée, puisque j'appréhendais un petit peu la discussion. Marine et moi, on n'a jamais discuté, on a toujours passé un petit peu à la trappe, et je pense qu'il est grand temps qu'on parle, elle et moi. Donc on verra comment ça va se passer, mais il faut bien se jeter à l'eau. Quoi qu'il arrive, merci pour tout le message. Et je tiens aussi à dire à ma sœur que je l'aime, voilà, si elle voit cette story. Et voilà, je pense que ça va s'arranger. On avait besoin également de retrouver, de se rendre compte le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que Marine et moi, on a toujours eu cette relation conflictuelle? Pourquoi est-ce que l'une envers l'autre, on n'est pas bienveillante comme on devrait l'être en tant que sœur normale? Voilà, j'assume entièrement, hein, je pense que vous voyez la télé, mais il faut que tout ça cesse. Je pense qu'on a peut-être eu besoin également de ça pour se rendre compte qu'on s'aime plus que tout et qu'on est prête à tout pour que cette relation conflictuelle et moi cesse. Et je pense que pour ça, il faut qu'on ait une discussion, puisque vous savez que quand depuis toute petite, Marine et moi, en un seul regard ou juste en un seul geste, on se comprend, c'est devenu compliqué pour nous de discuter. Voilà, à chaque fois on se dispute, on revient l'une envers l'autre sans explication, sauf que là, voilà, on a 27 ans et avec le temps, on a besoin de s'expliquer, on a besoin de parler, de s'excuser et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que voilà,
On a toutes les deux nos parts de responsabilité. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup déçu ma sœur et je dois regagner sa confiance. Donc ça, c'est ce qui va mettre le plus de temps. J'en suis consciente. Mais voilà, après, c'est vrai que ma mère ne se rend pas compte que parfois, elle est très dure avec moi. Elle a un caractère qui est beaucoup plus fort que le mien. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que voilà, mon comportement que vous voyez n'est peut-être pas justifié, mais il reste compréhensible. Justement à notre passé, à ce qu'on a vécu. Et voilà, je pense que c'est également pour ça que Marine aujourd'hui est aussi caractérielle et parfois dure. Mais elle ne s'en rend pas compte, en fait, c'est pas méchant. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre et je me rends compte aujourd'hui que c'est pas méchant, bienveillant de sa part. Mais sauf que moi, j'ai besoin de souffler, de prendre mon envol. Elle a tout fait péter, malheureusement. Donc, je vais essayer d'arranger les choses. Ne vous inquiétez pas. Je sais que les twins vous manquent, mais elles seront très vite de retour, je l'espère. Donc voilà, en tout cas, un truc qu'elle a dit, Océane, c'est qu'elle a dit je vais essayer de regagner sa confiance. Voilà, donc elle se sent fautive, Océane. Donc l'histoire, elle a eu lieu à la fin des Marseillais, à la fin des Marseillais à Dubaï, voilà. De la télé-réalité, mais apparemment, voilà, c'était conflictuel assez régulièrement. Mais là, voilà, ça a dû partir en vrille à cause d'un mec, voilà, à cause d'un mec en plein tournage des Marseillais. Donc, pendant les Marseillais, elle lui faisait la gueule. Donc, ça, c'est vrai que c'est encore plus dur quand t'es sous le même toit et que ta propre sœur te fait la gueule ou ton propre frère. Voilà. Donc, des fois, le temps fait bien les choses. Des fois, le temps apaise. Des fois non, des fois le temps il éloigne encore plus. Ça dépend des conflits, si c'est grave ou pas grave, ou pas si grave ou quoi, ou qu'est-ce. Donc n'hésitez pas à me dire des précisions si vous avez des précisions dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.